Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, en avant-première en France, il y a une seule voiture qui fait tout le tour de l'Europe. Je vous présente la nouvelle, enfin même la future Hyundai Ioniq 6. Elle est juste folle, le design. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Je la trouve folle de chez folle. Qu'est-ce que vous pensez du design et tout? Enfin, comme ça, à première vue, on la voit à la télé un petit peu des fois avec la pub Ioniq 5, avec le papa là qui montre « Hey, t'as vu, moi aussi, j'ai une voiture un petit peu cool. » Il y avait la Ioniq 5, il y a ça. J'ai hâte de découvrir le futur, mais je vous fais une présentation comme d'habitude. Je vous fais un petit peu le tour, je vous montre un peu toutes les options, tous les petits trucs. Il y a plein de particularités sur l'avant, les rétros, regardez, l'arrière, assez spécial. Bon, allez, c'est parti. Bon alors, il y a pas mal de bruit, mais j'essaye de faire au mieux. Je vous présente le tour de la voiture. Donc, nouvelle Hyundai Ioniq 6. Donc, il y a la Ioniq 5, regardez. Je vous la remontre ici si vous aviez oublié de à quoi ça ressemble. Ça, c'est la version Ioniq 5. Ça, c'est la toute première Ioniq. Ici, enfin celle juste avant, il y en avait une autre encore, mais niveau design, ils ont parti quand même assez loin, ils ont quand même repris cette philosophie qu'on avait un petit peu avant. Le but de celle-ci, c'est une ligne beaucoup plus aérodynamique, on a un CX de 0,21, on a une couleur vraiment très très spéciale, Biophilic Blue, donc c'est un bleu avec plein de paillettes, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous le faire ressortir, en fait, ça fait un petit peu aubergine avec des reflets selon l'angle. Ça peut devenir bleu, violet, vert. C'est très sympa. À l'avant, on retrouve un frunk. C'est la même base que la version Ioniq 5. C'est le même châssis, c'est les mêmes batteries. On a exactement la même chose, sauf qu'on a un look totalement différent. Et surtout sur l'arrière, quand j'ai vu les premières photos, j'avais trouvé ça très spécial. Eh bien, en vrai, je vous avoue que c'est quand même assez différent. Alors, ça paraît quand même assez spécial. Moi, j'avais plus l'impression d'une Beetle, un truc comme ça. C'est plutôt pas mal. Alors attendez, je vais juste aller l'allumer. Comme ça, ça permettra d'avoir un petit peu plus... Où est-ce que ça s'allume? Là. Le volant ici, on a 4 points. Donc ça, ça va servir quand on va utiliser la commande vocale ou autre. Par exemple, si je lui parle, regardez, ça change de couleur ici. Et on va voir des infos. Une interaction avec la voiture et également avec les points, comme vous pouvez voir. Ça clignote de couleurs multiples ici. Bon, je continue sur l'extérieur d'abord, dans un premier temps. Pour finir de vous montrer, surtout l'arrière, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc on l'a de cette façon avec les feux allumés. Donc on a un grand bandeau LED qui traverse vraiment toute la voiture. Avec le Ioniq 6, on a pas mal de choses. On a la caméra de recul qui est située juste ici, le petit bouton pour ouvrir le coffre. Et toujours cette technologie un petit peu avec les pixels, avec les clignotants qui sont là sur le côté. Et lorsqu'on freine, on a même cette partie qui s'allume. Donc là, je vous montre ça avec le plan incrusté. À l'arrière, on a des pixels ici également sur les réflecteurs et ensuite la marche arrière qui sera à cet endroit-là. Des lignes très verticales juste ici et pareil, une sorte de diffuseur. Assez, assez spécial. Qu'est-ce que vous en pensez de cet arrière? Est-ce que ça vous rappelle des marques ou autres? On a un peu l'impression d'avoir une Porsche avec cette petite queue de canard ici. Très original. Au niveau des jantes, on aura deux choix, soit du 18 pouces, soit du 20 pouces. Aujourd'hui, on a le modèle en 20 pouces. On retrouve les poignées affleurantes et comme vous pouvez voir, quasiment tout est lisse sur cette voiture et même les rétroviseurs. Les rétroviseurs, c'est des caméras à cet endroit-là. Et on peut voir que les clignotants sont intégrés ici. C'est plutôt sympathique. Un intérieur blanc, on aura le choix entre blanc et noir. Bon, voilà à quoi ça ressemble de ce côté-là. Et avec les feux qui sont allumés, on a pareil des petits points pixels juste ici. Donc sur l'avant, une fois que c'est allumé, on retrouve également des petits pixels, on a des feux matrix LED, donc c'est des feux qui vont pouvoir détourer, donc ça va sélectionner la voiture de devant, le logo l'une des ici, alors on voit toutes les traces de doigts et autres, c'est une voiture de démo qui fait le tour du monde en ce moment, on a une sorte de petit capteur ici, c'est assez original, pareil avec les petits points pixels, les capteurs de parking, et je vois pas la caméra, ah si la caméra est très discrète située juste ici. Comme on a un CX de 0,21, regardez, cette partie est fermée. Donc ça, c'est l'aération avec des volets qui va s'ouvrir
pour aller refroidir le pack de batterie et toujours de l'air qui s'engouffre ici pour jouer également avec l'aérodynamique qui va ressortir derrière ici dans les arches de roue. Donc comme vous pouvez le voir, ça traverse des freins à disque ici, mais toujours le freinage régénératif. Au niveau des batteries, on aura deux choix, donc exactement comme sur la Ioniq 5, soit le 53 kWh, soit le 77,4 kWh. Par contre, on a une autonomie record affichée jusqu'à 614 km. Alors c'est juste énorme, 614 km. Le Biofleek Blue, franchement, je vous avoue que je trouve ça quand même assez original. Et les reflets, vraiment, selon l'endroit et la lumière, ça change énormément. Ça arrive à partir de janvier en concession, on peut les commander à partir de novembre. Il y aura une série spéciale First Edition. Au niveau du poids, on est sur 2200 kg. C'est 40 kg plus léger qu'une Hyundai Ioniq 5. Au niveau des dimensions, on est sur une voiture qui fait 4,85 m, 1,88 m de large sur 1,50 m de haut à peu près. Donc c'est quand même une sacrée berline. Et le plus important, donc ce qu'on nous a stipulé, c'est qu'elle fait 100 km de plus que la Hyundai Ioniq 5, puisqu'elle a un coefficient de pénétration dans l'air bien inférieur. Donc juste avec ça, sinon c'est exactement la même batterie, le même software, ça permet vraiment de gagner énormément. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de CX et de voitures avec un style aéro comme ça et assez particulier pour justement avoir le plus d'efficience possible. Au niveau des puissances, on aura 151 chevaux, 228 chevaux ou 325 chevaux. Elles seront toutes bridées à 185 km/h. De ce côté-là, on retrouve la prise. Alors, hop, ça s'ouvre automatiquement. On pourra recharger comme la Ioniq 5 en 18 minutes. C'est comme je vous dis exactement la même chose. On pourra recharger jusqu'à 239 kW. Alors on a deux choix pour refermer. Soit on appuie ici, soit il y a un truc très satisfaisant. C'est j'approche et ça y est, c'est fermé. Ça, c'est juste trop cool. Ouais, je ne vous ai pas montré également. À l'avant, on a un mini frunk où on va quand même pouvoir ranger ses câbles. Alors ça, c'est quelque chose de plutôt cool. Il y a beaucoup de marques et de voitures qui ne le font pas. Alors hop, voilà à quoi ça ressemble. C'est marqué Ioniq ici. Et donc on peut voir, c'est vraiment un tout petit compartiment où on pourra ranger au moins ses câbles. Sinon, on a liquide lave-glace là-bas, les freins et la batterie 12 volts ici. Mais on a quand même des vérins. Ça, c'est agréable. Au niveau des places arrière, intérieur blanc, si vous connaissez la chaîne, vous savez que j'adore ça. L'éclairage LED ici, dans les portes, dans les bacs, juste en bas. On a une porte très sympa, un tissu très doux. Enfin, c'est mi-tissu, mi-plastique, siège chauffant sur deux positions à l'arrière. De quoi mettre un téléphone ici, on a les enceintes intégrées là. Non, et surtout là, les enceintes, en fait, là, c'est juste pour faire joli. La poignée, de cette façon. En fait, toutes les textures, toutes les parties sont très agréables. On a juste du plastique un peu plus dur sur le bas. On a Ioniq 6, même sur les portes arrière. Ça, c'est très rare. La banquette, super belle, en blanc comme ça. Même les ceintures, tout qui va bien, ils ont pensé à tout. La couloir centrale, on a un petit plafonnier là-haut en LED également. Toujours les sièges qu'on connaît. Et si je m'installe à l'arrière, hop, eh ben, c'est presque une Ioniq 5, j'ai énormément de place. Alors c'est peut-être un petit peu moins haut, mais je me sens super bien. J'ai énormément d'espace ici au niveau des genoux. C'est vraiment bluffant, franchement. C'est une très bonne berline. Je pense que même si vous êtes VTC, l'Ioniq 5 qui marche vraiment bien en tant que taxi, bah ça, je pense que ça va cartonner également si vous l'êtes. Et regardez, donc la vue d'ici, c'est très sympa. Le tableau de bord est fait ultra futuriste. Les sièges, pareil, avec ses appuis-têtes, avec cette forme très spéciale. On retrouve toujours de quoi bouger le siège ici. Par exemple, ça, pour un client, pour les VTC, c'est vraiment pas mal. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Je peux l'avancer ou autre d'ici. Alors bon, pour les enfants, ça, ils vont s'amuser. De ce côté-là, aérateur avec deux ports USB type C, un petit vide-poche ici. On retrouve des filets de chaque côté, mais surtout, regardez l'espace qu'il y a. C'est juste top. C'est plutôt clair ici également. Et l'avant, je vais vous montrer ça juste après. On va y aller tout de suite. Et on peut voir ici qu'on a même un toit ouvrant. Je vous l'ouvre dès que je passe devant. Ça fait du bien ici. Il y a un petit peu moins de bruit que juste après là-bas. Donc là, je ressors. Hop, je vais vous montrer le coffre pendant qu'on parle de la voiture. Donc le coffre, on appuie sur le petit bouton ici, juste à côté de la caméra. Alors, j'ai pas le volume de coffre, mais il est quand même assez spacieux. Comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, je rentre dedans. Ici, on a en dessous de quoi ranger quelques petites choses, surtout le kit de sécurité. Et voilà, donc on a un vrai coffre de berline. On peut retirer
directement d'ici pour rabaisser les sièges à l'arrière. Et on a le hayon motorisé. Alors ça, j'aime beaucoup. Et voilà. Allez, on passe à l'avant. Là-haut, l'antenne qui retient. Le toit très arrondi. Alors, je vais me reculer au max pour vous donner le maximum de visibilité. Je vous remontre un petit peu tout ça. Donc, les rétro-caméras, c'est ultra spécial. Donc, j'ai un écran ici, un écran là-bas, donc c'est pas plus mal. Les écrans sont très hauts, donc on quitte pas trop la route des yeux. Donc, quand je regarde là, je vois quand même ce qui se passe en face. Pareil, de l'éclairage juste ici. Des portes avec des bonnes textures, c'est agréable. Des lumières ici, bac de rangement également. Les pédales, on retrouve toujours le plus et le moins. Alors, j'essaie de vous le montrer comme ça. Sur les pédales, un gros repose-pied sur le côté. Pareil, on a de l'espace. Le volant avec un petit méplat sur le bas. Toujours comme chez une on a habitude, les aides à la conduite sur la gauche. Les menus pour l'écran là-bas et la radio là-bas. Les drive modes, on pourra choisir sport, normal ou éco, comme on le connaît. C'est pareil, on pourra changer, je pense, configurer les couleurs d'intérieur avec les modes. Et l'écran, ce sera exactement ce qu'on retrouve dans Ioniq 5. Ici, c'est pareil, donc ouvrir le coffre, la prise, désactiver l'USB. Le réglage des rétros, il est ici. Alors, c'est pas forcément le plus pratique, mais au moins, il est caché. C'est assez discret. Sur la porte, on a mémorisation de siège à cet endroit-là. Le volant, donc je vous ai montré. Derrière, on a ici les clignotants et les feux, bien sûr en mode feu automatique. De ce côté-là, les essuie-glaces. De ce côté-là, on retrouve de quoi activer, donc parking, drive, neutre et reculer. On a bien sûr la caméra 360 également à l'intérieur. La touche warning, l'écran comme on connaît, pas de nouveauté là-dessus. On démarre la voiture juste ici. Les touches comme on connaît également, donc avec là-haut ce qui est radio, ici ce qui va être climat. Plus bas, on retrouve chargeur par induction en posant votre téléphone, la prise USB. Alors, c'est bizarre que ce soit une USB type A ici et pas une type C. Ça risque peut-être d'évoluer. Double porte-gobelet. Alors, par contre, on ne peut pas refermer ici. Cette partie est ouverte constamment en grise. De cette façon, ce sera en noir si on choisit l'intérieur noir. Verrouillage du véhicule. Les fenêtres sont au centre pour tout le monde. Auto-hold. Donc, ça, c'est pour le freinage à l'arrêt lorsqu'on s'arrête un feu. Ici, double port USB-C pour recharger vos équipements. Et un petit vide-poche avec la clé d'original. Donc, c'est rare que les constructeurs changent de clé lorsqu'ils font un nouveau modèle. Et là, on peut le voir, on a toujours l'avance avec le parking, comme on retrouve sur Ioniq 5 ou Tucson. Donc, ça veut dire que quand je suis stationné, je peux bouger la voiture de l'extérieur sans personne dedans. De ce côté là-bas, on a la boîte à gants. Boîte à gants, tiroir. Vraiment très, très cool, ça. Elle est assez spacieuse, elle est bien éclairée. C'est blanc, j'aime beaucoup. Le siège ici donc ressemble à ça. Les sièges, je pense que ça doit être les mêmes que dans Ioniq 5, sauf qu'on a une petite particularité ici, c'est cette couleur. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est fait, mais c'est marqué airbag. Ok. Donc, les petits boutons pour pouvoir régler le siège à distance ici, pouvoir l'incliner ou avancer ou autre. Donc, c'est plutôt pas mal. Et donc, le toit ouvrant, donc, que j'ouvre de cette façon. D'abord, le rideau sur la première pression et le toit qui s'ouvre de cette façon. Plutôt pas mal, et on retrouve toujours donc le filet anti-bruit. Plutôt bien. Là-haut, on retrouve donc des LED pour l'éclairage intérieur, le bouton SOS et les veilleuses que je peux éteindre de cette façon. Le rétro, alors c'est dommage que ce soit pas un sans bord, ça aurait été juste parfait pour le finir cet habitacle, mais bord très fin, donc électrochrome également. Les rétros, pas d'électrochrome, puisque c'est des caméras qui vont s'adapter. Hâte de voir vraiment ce que ça va donner sur la route et de nuit. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ce Hyundai Ioniq 6? Ça arrive en concession, comme je vous disais, mi-janvier à peu près. On peut déjà les commander à partir de fin octobre, début novembre. Il me semble que les Force Edition sera à partir du 3 novembre. Ça arrive mi-janvier en concession. Et nous, on aura le droit de les essayer fin janvier. Normalement, je devrais être de la partie et j'essaye de vous faire une super vidéo sur cette voiture. Parce que ça a l'air vraiment cool et surtout super, super efficient. La version avec juste propulsion et petite batterie, elle arrive à descendre sous les 14 kWh au 100 km. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Surtout qu'avec la Ioniq 5 que j'avais essayé en Ile-de-France, j'étais aux alentours des 14 et quelques. Regardez la version Ioniq 5 entrée de gamme. J'avais fait de super scores parce que juste voiture plus légère, un seul moteur à l'arrière, plus propulsion, et ben ça jouait vraiment pas mal.
Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette voiture. Est-ce que vous aimez le look et tout? Est-ce que c'est atypique? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, cette couleur? J'ai hâte de savoir. Bon, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu comme d'habitude. Hein. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bientôt dans un petit peu de temps pour l'essai de cette voiture. Allez, ciao!